Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Plus passé 6 mois après l'assassinat président Jovenel Moïse, la police dans le pays d'Haïti et plusieurs autres pays dans la région Caraïbes. Dans la zone, le sénateur a été offert l'argent à Mounio pour ne pas révéler l'identité. Avant ça, le pays Jamaïque a déjà arrêté Mario Antonio Palacios, un mercenaire colombien qui était sorti en Haïti. Qui gagne le cité tout dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Dans le cadre même dossier ça, vendredi 7 janvier 2022, pays République Dominicaine mettait en bas code Rudolph Jar, une moun la police dans le pays d'Haïti tap chaché pour présumer participation dans zak assassinat qui fait sous président République là. Pour kounya, Mario Antonio Palacios ak Rudolph Jar déjà transféré dans le pays États-Unis, dans l'idée pour aboutir à enquête sur assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse là. Yon le bord, la police continue à chercher Félix Joseph Badio et Wendell Coctello comme un qui gagne au cité dans zak assassinat ça. En attendant, autorité pays Jamaïque ont décidé qui ça y a fait avec ancien sénateur Joel Joseph John, sénat américain yon a yon loi li voté, exigé pour gouvernement américain à faire lumière sous acte assassinat qui fait sous chef l'État haïtien. Dans la loi ça, sénateur a 3 mois pour porter bon en détail sous tout le monde qui gagne à ouais à crime ça. Pendant temps ça, dans le pays d'Haïti, ancien premier dame république Lamartine Moïse déclaré sous compte Twitter li, c'est une opportunité pour lumière blayi sous assassinat marim. En Haïti, tant qu'on a tout le pays, poursuite yon doit continuer pour toute commandité ak ote crime malveillant si la jwenn sanction yon mérité. Tweet sa publié yon titan après nouvelle arrestation ancien sénateur haïtien dans le pays Jamaïque. Premier ministre haïtien li même tout déclaré sous compte Twitter li pour dire n'ap cité moi senti me réjoui après arrestation de nouveau moun qui gennon yon cité dans la mort président république là. Premier ministre Ariel Henry dit crime ça a pas prêté sans li pas pini, même gens ak yon paquet l'autre crime qui fait dans pays ya, li promet pour tout coupable yo joine sanction qui réservé pour yo. L'autre nouvelle, ministre Justice et Sécurité publique là, M. Berto Dorsey, installé lundi 17 janvier 2022, M. Jean Falier Bazelet comme nouveau directeur général, ministère ça. M. Bazelet remplacé dans poste ça, M. Raymond Jacques Louis, ministre Justice là, rappelé nouveau directeur général là, différents défis Captain Lee, et puis souhaité pour continuer le travail, Jean Satellier avant. Nouveau DGA, M. Jean Falier Bazelet, remercie chef gouvernement pour confiance li placé dans lui pendant le promettre la continuer travail dans tête collée avec tout le monde dans l'idée pour rendre justice la plus efficace. Midray Milias et Michel Joseph pour un extrait. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous les jeunes, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, à vous prendre en exemple. Le culte du mérite doit être suivi. Ceux qui se sont mis au service de l'État doivent se dépouiller de l'idée d'une carrière facile. La discipline et le respect des lois qui gouvernent le fonctionnement de l'administration publique doivent être leur boussole. Optez sans cesse pour une formation continue et vous serez aussi prêt à répondre à toutes les bonnes questions. Et ceci à chaque vrai rendez-vous. Le choix du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, est sans équivoque. En prenant la résolution de vous placer à ce poste, il attend que vous mettiez, comme vous l'avez toujours fait, tout votre savoir et votre expérience au service de ce ministère. J'ai été surpris de découvrir combien le chef du gouvernement
connaissait les difficultés de cette institution. Il attend beaucoup de vous, puisqu'il entend à ce que le ministère de la Justice prenne une orientation plus dynamique et mieux structurée. Je remercie le ministre de la Justice pour cette confiance placée en moi en me désignant pour ce poste. Je le prie de bien vouloir transmettre aussi mes remerciements au Premier ministre qui n'a pas hésité à approuver ce choix. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci. Mesdames et messieurs, j'interviens aujourd'hui, non pas pour parler de ma carrière au ministère, mais pour vous dire qu'ensemble, nous devons travailler pour relever le prestige du ministère. Il ne me revient donc pas de ressasser le passé pour trouver une période d'éclat. Je veux plutôt avancer avec vous en ouvrant grand les yeux pour affronter les défis à relever. Je tâcherai donc sous mon directorat à respecter les directives du ministre pour permettre d'améliorer ce qui doit l'être. J'encouragerai donc l'administration, suivant les moyens à sa disponibilité, à sa disposition, de fournir les matériels et fournitures nécessaires pour un travail qualitatif et un rendez-vous optimum. Nous avons annoncé l'initiative protecteur citoyen Renan Edouville salue décision Congrès américain prend pour demander département d'État pays mener enquête sous assassinat ancien président Jovenel Moïse. Responsable OPCA encourager l'instance internationale positionner en faveur aboutissement enquête sous assassinat ancien président. John Herbie Casseus prend un extrait. Nous devons, c'est un impératif, c'est un devoir pour nous, nous devons poursuivre la lutte des droits humains comme l'a fait le docteur Martin Luther King, poursuivre cette lutte qu'il a menée pour le respect de tous les droits humains en Haïti. Je veux en profiter pour saluer le vote du Congrès américain en date du 13 janvier 2022, ordonnant au département d'État américain l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et sur le massacre survenu à La Saline en novembre 2018. Un massacre qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés et des femmes, des fillettes, des enfants sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes après ce massacre de novembre 2018. C'est une très bonne décision, vu le caractère transnational de l'assassinat de l'ancien chef de l'État et les obstacles majeurs liés à cette enquête conduite par un juge d'instruction haïtien. Avocat l'État haïtien yo exprimé que sauté yo gagné devant façon enquête sous assassinat ancien président Jovenel Moïse là a avancé. Maître Newton Saint-Just dénoncé passivité l'État haïtien, li dit qu'il quittait ce pays États-Unis qui plus a communiqué et puis mener diverses actions dans cadre dossier ça. Maître Saint-Just souhaitait autorité yo prend bonne action cap permettre aux tes actes là payer pour crime yo commettre là. Yo extrême micro Lounel Jean-Louis ak Michel Joseph. Nous connaît très bien que avec arrestation Palacios le 4 janvier qui se passé là dossier apprend en leur dimension. Faut pour avoir interaction entre la justice haïtienne et la justice américaine, pour avoir interaction entre le droit pénal haïtien et le droit pénal américain. Et avant de parler ce soir, nous voulons féliciter, encourager tout le monde qui même avec nous à agir pour que la vérité faite dans le dossier Sandam et comme ça passe. En ce sens, moi que Maître Level François, vous font action par la justice américaine contre la Colombie et les États-Unis sous responsabilité que tu as gagné un assassinat, nous-mêmes révèle, et pour nous voir qui sont capables de mettre action par nous en commun, comme citoyens.
Deuxièmement, nous voulons saluer l'ensemble d'activités et les positions continues que l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, prend dans le dossier ça. Et nous pensons qu'il faut gagner en volonté citoyenne. Non, ce n'est pas parce que c'est Jovenel Moïse, mais c'est pour nous-mêmes, assassinat ça, c'est une atteinte grave à notre souveraineté. C'est même un acte de guerre. Et au nom de notre souveraineté, au nom de notre dignité en tant que peuple, nous devons qu'on au moins ça qui est passé. Et c'est peut-être ça, nous voulons dénoncer d'abord commercialisation de César. Nous apprenons à travers le rapport RNDDH que le cabinet, juge Gavirolien, que nous connaissons très bien, un greffier qui fait sol avec sabotage dans le dossier. Et comme si les invitations, les mandats contre le monde, c'est passé derrière. Moi, je lis dans le rapport RNDDH que ça fait en complicité avec le juge-là. Moi-même, je n'ai pas dit ça. Mais c'est ça qui écrit dans le rapport. Là. Et je pense que d'abord, son honte au pays, on dossier aussi important, qui a traité dans le pays, et pour un greffier qui a marché, demandé mon machine, qui a marché, demandé mon argent, fini avec papier, dit que. Il n'y a pas arrêté à faire pression sur le monde. Un juge d'instruction a dû prononcer sur ça, prendre des mesures pour ça. Et CSPJ lui-même doit prendre des mesures pour corriger ça, pour sanctionner le monde qui doit sanctionner. Deuxième bagarre là, on a dénoncé, c'est l'instrumentalisation, monsieur. Je pense que avec cadavre, ça, il n'y a pas de pouvoir, mais il n'y a pas empêcher le monde de prendre pouvoir. Donc, il n'y a pas de cadavre là sur n'importe qui monde. Car il n'y a pas de révolution sur moi. Donc, une pensée importante de ce salaire pour justice pays, compte tenu de dimension de ce salaire, et fort acteur politique agir avec plus sérénité. L'autre bagaille à dénoncer, c'est la diversion manipulation. Et nous sommes capables de voir dans l'aide que nous avons adressé à New York Times, nous avons parlé de ça blanc américain, de diversion, oui, tactical strategy, ou bien diversion tactics. C'est des stratégies qui, selon nous-mêmes, visaient cacher la vérité dans le dossier pour qu'on qui est ce qui est auteur. On prend un premier exemple. Le 21, ou déjà le 14 juillet, une semaine après l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a une notice à ce caracol qui dit de prime suspect, premier monde qui suspecte dans le dossier, c'est Tava et Claude Joseph. Il même dit que c'est FBI avec la police nationale qui fait ben, information ça. Après ça, nous battons de lui encore. Et nous comprenons que c'est pour défendre l'intérêt de la Colombie parce qu'il y a un paquet de Colombiens qui est impliqué dans ça. Mais diversion ça, il prend toute ampleur. Yo. Même le juge américain qui prend le temps de dossier, il doit communiquer avec le juge haïtien par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice. Puis il y a un ensemble d'actes qui fait en Haïti déjà, d'où des auditions de un paquet de monde, pas de monde qui est en prison. Donc, ils sont capables de faire des échanges, ça a été entre aide judiciaire internationale, sans que le juge n'a pas obligé de déplacer. Et il doit, même juge haïtien, mais juge américain, qui doit avoir des commissions rogatoires à des juges en Haïti. Mais juge haïtien qui doit avoir des commissions rogatoires à des autorités judiciaires aux États-Unis, dans le cadre de l'entrée judiciaire, pour chercher des bagages précis que le besoin connaît. Donc, ça possible. Bon côté balle, M. Osner Fevri déclaré, c'est un crime national qui a un caractère transnational. Avocat Soulié, gain pour pipiti 6 pays qui t'a doué baïbourade dans le cadre enquête là. Dans ce sens, M. Osner Fevri souhaitait, ministre Affaires étrangères haïtien, contacter tout ambassadeur pays qui a un citoyen impliqué dans le crime. Même j'entends, l'État haïtien t'a fait pour demander aide, ambassadeur quelques pays qui t'a facilité document dans le cadre des placement mercenaire. Toute étape sa yo capable d'aider enquête la avancer toujours d'après explication. Maître Osner Fevri, toujours dans le micro, Lounel Jean-Louis avec Michel Joseph. Nous sommes en présence d'un crime qui implique 6 législations. C'est un crime national à caractère transnational. C'est un crime international. C'est ce que nous avons enseigné à l'université depuis ces 15 dernières années.
On est en présence d'un crime qui comporte des éléments d'extranéité. Donc le crime n'est pas seulement national, c'est un crime national à caractère international. Et immédiatement, l'État haïtien doit être impliqué. Et le premier geste, c'est au ministre des Affaires étrangères de rappeler ses ambassadeurs dans ces pays-là, en République dominicaine, en Équateur, car la carte d'identité de l'un des prétendus assassins, ou bien de ceux qui ont présumé assassiner le président, c'était, il circulait avec une carte d'identité équatorienne. Il y a l'implication de la République dominicaine, il y a l'implication des États-Unis. Donc, il fallait nécessairement que notre ministre des Affaires étrangères convoque les ambassadeurs de ces pays dont relèvent ces assassins présumés et en même temps rappelle ces ambassadeurs accrédités dans ces pays comme geste de protestation pour cet acte qui est d'après le droit international pénal et le droit pénal international. Je fais allusion ici à deux branches de connaissance du droit, qui est un acte de guerre. C'est ainsi qu'a commencé la Première Guerre mondiale, avec l'assassinat du prince héritier Ferdinand, qui a été assassiné, et la guerre mondiale, la première, a éclaté. Donc rien n'a été fait jusqu'ici, aucun rappel de nos ambassadeurs accrédités dans ces pays, dont relèvent ces assassins présumés, aucune convocation, aucune protestation officielle. Nous lançons un appel au docteur Ariel Henry pour ses recommandations 1. Légitimer constitutionnel, l'ordre juridique constitutionnel et légal. Et pour cela, convoquer, vous pouvez convoquer certaines institutions, vous allez inviter d'autres, pas des groupes, parce que vous ne pouvez pas convoquer n'importe qui, vous ne pouvez qu'inviter certaines personnes. Et voici ce que nous recommandons. Il y a bien sûr certains qui estiment qu'il est trop tard. Mais avant le 7 février, l'initiative revient au docteur Ariel Henry et nous lui disons, s'il vous plaît, dites à vos partenaires, à vos amis, partenaires de la communauté internationale, s'il vous plaît, back off. Communauté internationale, corps groupe, syndicat, back off. S'il vous plaît, de grâce, back off. Laissez les Haïtiens eux-mêmes poser les bases d'un congrès patriotique. Et dans ce congrès patriotique, le premier point sera de rétablir l'ordre juridique, constitutionnel et légal, ensemble, l'autorité républicaine de l'État. Ensuite, on discutera comme deuxième point à ce congrès, et je vais vous dire tout à l'heure les noms des institutions qui doivent être là, pas des personnes, pas des groupes qui s'arrangent pour être présents. C'est la proposition que nous faisons parce qu'il s'agit d'un consensus, ou plutôt de la recherche d'un consensus institutionnel. Pas la recherche de consensus de groupe, pas la recherche de consensus de personnes, mais la recherche d'un consensus institutionnel. Depuis 5 ans, nous n'avons pas parlé et aujourd'hui, nous avons choisi de le faire au nom de la patrie qui est mourante. Le Premier ministre Ariel Henry, installé lundi 17 janvier 2022, Emily Prophète comme nouveau ministre Kilti ak Communication. Cérémonie installation a déroulé dans le local ministère en présence de différents directeurs généraux, institutions qui placées en bas autorité MCC, famille ak zami nouveau ministre. La. Dans l'occasion, PM Ariel Henry présentait ensemble travail ministre tout neuf là à bien pour attaquer. Chef gouvernement mettait accent tout sur rôle ministère ça gagné dans bonne marche pays. Depuis après formation nouveau gouvernement, c'est Premier ministre Ariel Henry qui t'a rempli rôle ministre Security et Communication. Esaïe Aurelius et Lydie Dieudonné pour un extrait. Vous avez été choisi pour diriger les structures de ce ministère. Votre nomination à ce poste de responsabilité est le signe de la confiance que le gouvernement place en vous. Pour ce faire, je me fais le devoir de rappeler que vous avez la lourde tâche d'assumer parmi plusieurs autres la coordination. Il faut éviter de tomber dans l'opacité communicationnelle
en ce sens que l'action gouvernementale doit être rendue publique et que le citoyen, quel que soit son niveau, doit être imbu de tout ce qui se fait dans les couloirs de l'administration publique. Le gouvernement que je dirige doit être un pouvoir sur scène, ou un état spectacle, pour reprendre respectivement les propos de Balandier et de Schwarzenberg. Nous devons être, en plus, un état communicant qui a le souci d'assurer la transparence du fonctionnement de son administration et dont la politique repose sur le dialogue, le partage, l'interaction. Beaucoup de parle, ministre culture et communication, tout neuf là, Emily, prophète dans l'occasion installation d'il conscient, quantité chantier, captain Lee, lui encourager ensemble institutions qui en bas contrôle ministère pour te coller pour permettre yo offrir population à Salaptan, mais yo ministre a rappelé importance yon ministère culture et communication dans construction démocratie. Toujours dans le micro, Esaïe Aurelius avec Lydia Dieudonné. Il y a tant et tant à faire pour structurer la culture et définir ce que doit être la communication utile dans ce contexte de besoin et d'exacerbation des contradictions. On n'ose plus, on n'ose trop. Les régisseurs, pour la plupart, sont en pause, alors que le spectacle doit continuer et encore faire rêver une population insatiable, constamment en demande, avec raison, de meilleures propositions. Il va falloir nous y atteler, retrouver nos capacités de mise en scène, insuffler de l'énergie à nos institutions, évaluer et réévaluer leur rôle et leur efficacité. Les choses bien faites ne peuvent pas se perdre. Elles représentent des socles pour accueillir d'autres choses et perpétuer l'envie de bien et de bien-être pour la majorité. Les institutions du ministère de la Culture, je le sais pour en avoir dirigé un certain nombre d'entre elles, font face à des difficultés. Le patrimoine, les médias, la communication, la lecture publique, les archives, les droits d'auteur. Mais ces difficultés ne sont pas insurmontables. Que souhaitons-nous aujourd'hui? Un pays qui regarde de l'avant, un pays qui s'ancre dans lui-même pour trouver ce qui lui vaut d'être pays, ce qui vaut à son peuple d'être peuple aujourd'hui, et il n'y a que la culture qui puisse permettre ce ressaisissement. Une politique culturelle à la hauteur de ce que nous sommes et de ce à quoi nous aspirons. Le plus court et le plus sûr chemin pour atteindre nos objectifs est d'être au service du plus grand nombre et faire que nos contradictions deviennent à la fois force et fermeté, dont celle de l'accès au savoir et à la culture, parce que la culture est une belle porte vers la liberté la plus aboutie, celle qui permet d'être soi-même et d'être l'autre. Professeur droit international James Boyard fait connaître dans cadre article New York Times là qui gagne pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse acteur judiciaire à politique de prendre en compte en géo dans évaluation nouvelle information révélation qui fait yo. Professeur James Boyard arrêté quoi gagne considération qui doit faite pour évaluer crédibilité déclaration qui fait dans article New York Times. Le professeur James Boyard était dans l'émission Mise au point sous TNH le jeudi 13 janvier 2022. L'étape répond à une question Jean-Serge Niolendor. Qui pourrait un article New York Times qui a gagné sous déroulement et progression de justice en Haïti ou bien aux États-Unis? Il faut qu'on ait que long crime pareil, grand pile enjeu là-dedans, il y a des enjeux politiques. Et qui dissimulait là-dedans. Moi, je pense que les acteurs judiciaires, acteurs politiques, ils sont conscients, ou gouvernementaux, ils sont conscients de ça, et qu'ils ont évalué toutes nouvelles informations, sans les révélations, en fonction de tout enjeu qui a gagné. Parce que moi, je ne veux pas faire du tort à un secteur ou à un autre, pour me presser peut-être moins, une analyse et radicale sur la question. Mais, ça moi ouais c'est que l'article a sorti et long contexte particulier qui fait que il y a deux considérations m'observe capable faire c'est le timing de l'article et le framing de l'article
timing, c'est le moment article la sortie qui est idéal pour un secteur. C'est comme si que c'était planifié. Et le framing, c'est que non moun yo mette l'article là tout, c'est pas n'importe qui, c'est comme si le moment c'est non moun sa yo qui t'a supposé là. Alors que idéalement, ce qui serait plus crédible, c'est que au lieu de non DGLB par exemple l'article là, l'étape fait plus sens ou bien non Léon Charles la donne. Mais c'est pas non Léon Charles parce que le moment c'est pas Léon Charles qui l'a, c'est LB qui l'a. Donc ce qui fait que c'est toutes ces deux considérations ça qui fait que faut bien peser pour capable évaluer la crédibilité et de ça et Jardia, d'autant plus que Jean son monde tout qui connaît avantage li gagne pour la juger aux États-Unis plutôt que la juger et en Haïti. C'est une faiblesse tout en code pénal et code de procédure nous en gagne et que yo pral qui qu'on pas pour trouver le nouveau code yo qui pral publier et qui pral appliquer prochainement, parce que juge haïtien pas gagne espace pour négocier peine avec moun qui collaborer avec la justice. Yo ba yo plus espace dans nouveau code yo. Alors que juge américain yo, yo ba yo espace, de grand espace pour négocier. Eh bien ça, et Jean Gren doit connaître ça tout. Donc il n'y a pas aucun intérêt, parce que Sylvain en Haïti, li gen en tête li, le jugement de norme comme celui qui a été jugé et condamné pour kidnapping. Et qui dossier? Et le kidnapping, c'est une grande famille haïtienne. Le kidnapping à Moscou, c'est Andal, non? On parle de Brant. Brant, la famille Brant, ya. Yeah. Oui, la famille Brant. Eh bien, où est que, même si M. Gongo non sorti dans une grande famille, où est que vous condamné à autant d'années d'emprisonnement? Donc, monsieur, j'ai pas besoin d'affronter tête li avec la justice haïtienne, sachant que non famille pas protéger long crime pareil. L'autre nouvelle, plusieurs haïtiens en d'un pays ak nan diaspora organisé yon chita pale qui était tamé jeudi 13 janvier 2022 dans l'État Louisiane. Brasse l'idée a été faite dans objectif pour réunir 9 accords sur crise qui t'a psychilé sous nécessité pour résoudre crise pays a fait face. Plusieurs représentants internationaux ak représentants quelques organisations dans diaspora participé dans sommet ça. Après environ 4 jours de discussion, participants ont sorti avec un accord qui porte nom accord unité Louisiane. Accord ça prévoit un exécutif qui gagne deux têtes selon le secrétaire général délégué Louisiane Moïse Garçon, qui fait connaître Fritz Alphonse Jean avec madame Myriam Fétière, ces deux personnalités qui choisissent pour diriger pays. En suite. C'est un sommet côté que l'intention c'était réunir tout accord ça pour te faire seul. C'est mon travail de facile, t'es dans pile haut et bas, t'es dans pile discussion, t'es dans pile tractation tout, et énergie en capacité mixte, parfois positive, parfois négative, mais finalement, une capacité dit, et ça a seulement deux jours que tout accord était d'accord, signé un protocole d'entente côté que vous faire seul. Après un pile discussion pendant près de 6 heures de temps, il était arrivé délibéré sous question, yon gouvernement bicéphale. Donc après au fin de l'attente ça, il était venu d'accord, il a pris l'accord là, accord unitaire de la Louisiane, et bien c'est accord ça, il vient de signer ensemble. Mais c'est parti qui était plus difficile là, parce que en pile là, accord, représentant accord, il n'y a pas espéré ça. Les formes de questions ont activité qui était réunie pour près de 200 représentants, et bien qui sortit partout, et chaque accord est venu avec 3 représentants, il y a un accord qui est venu avec plus représentants, par exemple accord contre le peuple là lui-même, est venu avec à peu près 12 représentants. Nous avons 3 qui officiels pour capable participer dans la question ça, pour capable venir représenter correctement. Et jusqu'à présent, tout le monde qui participe, c'est un niveau de satisfaction. À quoi ils ont été d'accord qu'il y a choisi. Et yon individu qui n'est pas présent dans ce sommet, parce que yon a et principe que tout délégué était d'accord sur lui, c'est que ou pas capable d'en yon accord, ni de près ni de loin, pour que ou venez présenter comme candidat, pour être accepté et venir comme dans tête et gouvernement ça qui t'a devenu DGP d'Haïti, et comme ça tout, yon était même allé plus loin.
pour dire que ou pas doué même présent dans sommaire. Alors nous avons deux monde qui pas présent dans sommaire et qui en plus pas vivre dans la diaspora à tout. Nous avons par exemple monsieur Fritz Alphonse Jean qui sont économistes de renom que ont choisi pour profil lui. Et puis gain madame Myriam Fétière qui fait non déjà et dans le domaine administration pays d'Haïti que moi personnellement je ne connais et que nous t'arrivons à voter avec un vote majoritaire comme premier ministre et pays d'Haïti au créé balance parce que un groupe de femmes qui est très active était gourma pile pour que question genre la respecter. Donc c'est comme ça et je suis capable de dire que le sommet n'a pas fini mardi et c'est dernier jour là et puis mercredi pour tout le monde tourner la carrière déjà été prévoit. C'est celle élection qui permet à un président légitime prend place dans le palais national. Déclaration Premier ministre Ariel Henry pendant le tap installé nouveau ministre Kilti ak communication. Docteur Ariel Henry était quoi? C'est pas dans violence pour moun prend pouvoir, mais plutôt dans chemin la loi tracée. Chef gouvernement t'est profité intervenir sous point qui gain rapport ak président provisoire dans pays. Esaïe Aurelius pour un extrait. Aujourd'hui, je veux encore une fois publiquement tendre une main fraternelle à mes compatriotes, aussi bien à ceux du groupe Montana, le CNT, le CSA et les autres signataires, ainsi qu'à d'autres ici ou ailleurs qui se sont engagés dans d'autres initiatives. Je veux croire qu'ils ont de bonne foi et veulent sincèrement que quelque chose change dans notre pays. Qu'ils me permettent de leur dire que les nombreux défis qui nous attendent exigent de chacun de nous du courage, de la détermination, de l'abnégation, du patriotisme, et un sens élevé des intérêts supérieurs de la nation. Face à l'insécurité qui perturbe le fonctionnement normal du pays et qui hypothèque la tenue des prochaines consultations populaires, il nous faut présenter un front uni pour combattre ensemble ce fléau. Le temps n'est pas aux cruelles de chapelle, ni aux luttes fratricides, pour la conquête d'un pouvoir éphémère. Dans cette conjoncture difficile, nous ne pouvons pas nous engager dans le jeu des chaises musicales à la tête de l'État. Un tel comportement nous a déjà valu une mise en aventure historiquement regrettable. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'il n'existe aucun moyen légal ou constitutionnel pour choisir un président provisoire légitime. Personne n'a une telle autorité. Certains sont tentés par le recours à la violence ou à l'élimination physique de responsables de l'État. Après l'assassinat du président, ce serait dramatique pour notre pays de recommencer à recourir à cette pratique barbare de notre temps pour remplacer des dirigeants. Qu'on se le dise, le prochain locataire du Palais National sera un président élu librement et démocratiquement par la majorité du peuple haïtien. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.